regarde, je t'ai fait les courses. J'ai pris plein de trucs. Tu reviens quand? Dimanche soir. Maman? Maman? Ta mère, elle est au ciel. Tu sais très bien qu'on peut pas te prendre avec nous. Tu fais comment maintenant, t'habites où? T'es sous notre responsabilité, Nassim. Mais avant tout, on est là pour t'aider. Attendez, je suis où, là? Je suis en prison? T'aurais pas un plan pour se barrer d'ici, toi? Si, peut-être. C'est pour aller voir une meuf, c'est ça? Mais tu vas pas aller jusqu'à Boulogne à cette heure-ci. Je peux appeler ton nom si tu veux. C'est pas la peine. Pourquoi tu t'intéresses pas un peu plus à la vie du foyer? J'ai rien à voir avec les autres d'ici, moi. Je suis vraiment désolée d'être venue comme ça au foyer. Pourquoi tu m'as rien dit? T'es contente? T'as ce que tu voulais? Tu kiffes, hein? Ah, moi, malade, on va te faire soigner. Quoi? Pourquoi je pourrais pas rester au lycée comme les autres? T'as vu tes notes? Dès qu'il y a une difficulté, tu baisses les bras, t'as pas la niaque. Si tu veux faire partie de leur monde à tes camarades de classe, là, donne-toi au moins les moyens. Ta maman est décédée parce qu'elle prenait trop de médicaments. Vous avez du mal à dire le mot suicide. Maman, t'es la part de moi que je vais emporter. La part de nous qui ne va pas mourir. Si t'étais moins jeune et moins con, bah je t'épouserais.